je ne maîtrise pas encore sa trottinette. Alors il n'est pas vraiment rassuré. Georges, dépêche-toi. Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait? D'accord. Pour commencer, tu dois bien tenir le guidon comme ça, avec les deux mains. Ensuite, tu montes sur la trottinette. Oh non, Georges, tu ne dois mettre qu'un pied sur la trottinette. Et maintenant, tu pousses avec l'autre pied, comme ça. Oui! Oui! Bravo! Tu te débrouilles très bien. Maintenant, Georges sait faire de la trottinette. Mais pas, Georges, mes chéris. Allez ranger vos trottinettes, les enfants. Il est l'heure d'aller à l'école maintenant. Oh, c'est vraiment dommage. On a à peine eu le temps de jouer avec. Aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa. C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi! À vos marques, prêtes, partez! Oui! Attendez-moi! À tout à l'heure, Maman Pig! À tout à l'heure! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette. Oui! Pas si vite! Dépêche-toi, papa! Papa n'arrive pas à vous suivre! Attendez-moi! Peppa et Georges sont arrivés à l'école. Au revoir, papa! Au revoir! Au revoir. Oh, je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense, j'en ai un sous la main. Oui! Comme c'est agréable. Maman Pig aime bien faire de la trottinette. Boum, boum, oui. Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant? Eh oui, c'est vraiment très amusant. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais. Peppa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle. Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venu à l'école à trottinette. Tu viens de me donner une idée, Peppa. Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venus à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai pris mon vélo pour venir. Formidable. Moi, je suis venue à pied. Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon. Mon grand-père m'a accompagnée à l'école en camion. Brouh, brouh, brouh. C'est original. Il est l'heure pour Papa et Maman Pig d'aller chercher les enfants à l'école. As-tu pensé à prendre les clés de la voiture? À mon avis, nous ne devrions pas utiliser la voiture. Mais c'est trop loin pour aller chercher les enfants à pied. Mais qui te parle d'y aller à pied? Je ne veux pas refaire la même erreur que ce matin. On va s'y rendre en trottinette. On fait la course. Quoi? Oui. Tu en es sûr? Bon, d'accord. Oui! Maman et Papa Pig vont aller chercher Peppa et Georges à l'école à trottinette. C'était formidable. Je t'avais dit que nous n'aurions pas à marcher. Maman, papa, vous nous avez apporté notre trottinette. Super, oui, oui. D'accord. On dirait que nous n'avons plus de trottinette pour retourner à la maison maintenant. Papa Pig, tu m'avais dit que nous n'aurions pas à marcher. Nous ne sommes pas obligés de marcher. Par contre, nous allons devoir courir. On fait la course. Hé, attends-moi. Oui. C'est trop rigolo. Peppa, Georges. Oh, attendez, maman et papa. Peppa et Georges adorent faire de la trottinette. Tout le monde adore faire de la trottinette.